Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de Medal of Honor Airborne sur Xbox 360 et Xbox Series X. Alors on va faire un mode campagne. Alors c'est un jeu qui était sorti en 2007, je vais à Medal of Honor. Hop. On va faire mode amateur. Hop. Alors comment ça se passe, ça, alors, c'est un jeu de tir, tiens, vu à la FPS, de tir, deuxième guerre mondiale. Ça se passe, alors graphiquement on voit bien qu'on est sur la 360. Il faut au moins vite fait, quoi, voilà, l'interface comme ça vous verrez. À condition de faire ça bien et dans les règles. Rétro. Quand la lumière passe au vert, vous sautez, vous suivez le gars qui est devant vous. Ok, vous alors ok, parachutiste, on va aller sur le sommet de sauter à la porte. Graphiquement, là on la sent bien quand même. Ah, il y a un succès. Faire gogo, ok, c'est déjà un mode d'entraînement. Sauter un parachute. Ça fait drôle. Le câble fixe déploie votre parachute automatiquement. Ok. Le parachute est conçu pour descendre à la verticale. Ah, c'est pas mal ça. On reconnaît un petit peu le petit viseur sur le côté là. Vous pouvez tirer sur les suspens. Metal of Honor. Maintenant c'est plutôt Call of. Dirigez-vous sur une clairière et ah bah t'es plus là. C'est vrai qu'à l'époque pourquoi c'était beaucoup. Les premiers jeux c'était Metal of Honor. C'est dommage que ça manquait. Sur là, il demande de ressauter. Y'a que les bleus et les civils pour foirer l'emposé. Vous êtes pas un bleu. Ah, il fait foirer l'emposé. Bien ça. Grâce aux fusées éclairantes, vous surveillez la zone. Ah ouais, ok, c'est là. Bleu. Si vous filez sur le danger, modifiez votre inversé, trajectoire okay. Et essayez de vous poser en douceur. Hop. Vous serez plus vite prêt au combat. Ouais, je me suis mis, petit succès. Attiré, parfait. On fait quasi soin parachute là. C'est un concours de son en parachute, je me rappelle même plus ça. Alors, je dois aller où là ? Dans ce nouveau type de combat, se soldera ni plus ni moins par un échec. Ils ne vous connaissent pas. Ah, je vais poser sur le... Ah là. Je suis persuadé que la fin de la tyrannie fasciste, yep. Quand son heure viendra, sera le fait de l'aéroporter. Oula, je suis un peu loin là. Ne vous décevez pas. J'ai complètement raté. Attiré, parfait. Ouais, je suis parfait. Atterrissage parfait, moi. D'argent décerné son entraînement. Alors avant on avait des succès assez facilement, je me rappelle plus qu'il y avait des succès aussi facile. Hop. Alors ça c'est côté allemand. Oh, on dirait qu'on peut être du côté allemand aussi. Alors airborne. Votre okay. Attention, il est en train de lire son papier, je sais pas ce qu'il fait lui. Silence. Notre mission nous conduit ici en Sicile, dans le village d'Adal. Italie. D'après le S2, c'est à la mode, les jeux en ce moment, qu'il y avait en Italie. Il y a le beaucoup de jeux que j'ai joué comme ça. Sniper Elite aussi. Dans un secteur qu'on appelle les coteaux. Les coteaux. Le deuxième se situe juste après la porte nord-est qui permet de quitter le village. Il nous faut un briefing. Les deux derniers sont solidement défendus. Ils se trouvent sur le toit de la mairie. Top secret. Ah, il faut qu'on saute sur le toit et qu'on détruit tous les canons. Voici notre dernier repérage des Allemands. De saut. Les repères rouges signalent les secteurs à forte présence ennemie. À moins que vous ne comptiez gagner cette guerre tout seul, j'y avais joué, mais ça y a vraiment un baillon. Vers les balises vertes. Nous partons dans 2 heures. Top secret. Rompez. Rompez. Allez. Bien. Ils sont tous barrés. Alors, on a quoi comme arme? Ok. Allez, le Thompson, bien connu celui-là. Ok, est-ce qu'on peut l'échanger déjà? Attends, on va voir déjà. Non. On a quoi comme arme? Ah ouais, c'est un allemand là. Ok. Ouais, on va garder ça. Sélectionner. Voilà. Ah, ça c'est pas mal, on peut changer les armes tout. Alors ça c'est un soldat italien. Voilà, quel point c'est? Ça aurait bien aimé quoi. Et puis une troupe. Ouais. Ok. Allez, c'est un chargement un petit peu long là. On voudrait surtout jouer nous. La grande malice. La grande malice. Allez, c'est bon les gars, on est prêts. Ok, c'est pas du tout comme l'entraînement. C'est plutôt la panique. Parachute, c'est vrai que c'était pas évident à l'époque. Parce que maintenant, ça a pas l'air
rien du tout. Même si ils l'ont vu, quand il a choisi de sauter un parachute, je peux vous dire que c'est pas évident. En vrai. J'arrive pas, c'est pas dans la guerre. Là, graphiquement, ça va. J'aime bien la route encore. Même si c'est tout ça. Oulala. Ah ouais, ok. Alors je crois que je l'avais fait, mais j'avais fait version bêta moi. Le démon, je sais pas si ça me dit quelque chose là maintenant. C'est pas mal fait là. Je vais essayer de bien me poser tête. J'essaie de me poser à côté des amis allemands. Une grenade, un peu là. C'est un petit peu le bordel. On tire tout ce qui bouge, je sais pas. C'est bien de choper une grenade allemande. Quoi une grenade lui? Il y en a 4. Voilà, ça un petit peu partout. Ah, ils sont où les potes? Ah, ils sont là. Ah, il faut éviter, il est pas mal. Hein. Ouais, sensibilité un peu. Pas assez rapide. Hop. Tant pis. Je vais laisser comme ça, même si c'est pas assez rapide. Enfin, on peut le régler ça, t'as problèmes. Là ça change, c'est vrai que des fois on se plaignait, mais on est bien content quand même de jouer à des jeux de tir un peu plus travaillé maintenant. Surtout côté jouabilité. Essayer de rentrer là, en la base. Ah j'ai un succès. Furtif, ouais. Vachement que je suis en train furtif. Hein. C'est italien. C'est avec nous les italiens. Oh putain, je me suis fait éclater. Ah non, ils sont pas avec nous les italiens, c'est vrai qu'ils étaient avec les allemands. J'ai complètement oublié. Oh, je sais plus. C'est vrai que c'était un bordel, deuxième guerre mondiale. Alors, faudrait peut-être que je reste avec les autres en bas le monde. Parce que j'ai voulu y aller direct en haut, mais la mission elle est un peu délicate. Je pense qu'il faudrait faire le ménage avant. C'est vrai que les débarquements comme ça ne va pas être évident. Oh là là, je suis tombé sur un nid là. Putain. Ah ouais, c'est pas évident quand même. Quoi, le niveau est quand même dur. Quand même galère. Peut-être c'est l'endroit où il a mis en vert là. Je devrais aller. Non ? On va aller voir, parce que l'entraînement il avait dit qu'il fallait sauter sur le truc en vert. Alors moi je vais sauter à l'endroit, le truc en vert, parce que du côté là il y avait un peu trop d'ennemis. Il y a quoi dans les options? Objet, option, détruire. Ah oui, ils nous disent ce qu'il faut faire, détruire tous les. Ok. Les canons, les... Oula. Où c'est quoi ce bug? Hop. Un truc qui fait bizarre, c'est que le bonhomme il a l'air super lourd. Je tire sur tout ce qui bougeait. Je sais pas comment on fait pour recharger par contre. Si c'est recharge automatique. On peut piquer les armes. Je me promène. Hein. Quoi ça peut s'en prendre. Détruire les canons. Ok, j'ai compris. Mais est-ce que je suis dans le bon chemin là? Oh la visée qu'il y avait avant. On va dire que c'était les premiers, les Metal of Honor. C'était les premiers et c'est bizarre, ils ont pas réussi à faire des bons jeux après. Il est sorti plein de bons jeux de guerre à l'époque, c'était une référence. Dans les années 2005-2007, c'était la référence, hein, je veux dire. Et après, je sais pas, bizarre. Ils ont pas su faire assez de, je sais pas, innover le jeu, je sais pas. Pourtant, c'est Electronic Arts, il me semble, qui a fait le jeu. Metal of Honor. Après, ils sont partis sur le Battlefield. Je pense qu'ils ont lâché un petit peu la licence. C'est un petit peu dommage, c'était assez connu quand même. Des joueurs, enfin des joueurs de l'FPS. Jeu de guerre. Ils n'ont jamais réussi à faire un bon jeu. Après. Le tout premier c'était bien. Débarquement, tout. Merde, c'est des potes, non. Alors par contre, je sais pas comment reprendre l'arme. Quoi ce délire? Ah ouais. Ok.
quoi, la Thompson elle bouge tellement qu'elle laisse tomber. Ce que je vais faire, je vais renvoyer une grenade. Je sais même pas où c'est qu'elle est partie la grenade. Putain, quoi ça? Pas le troll. J'ai failli passer. Elle n'arrive pas à passer, tout ça c'est dingue. Quoi, la joueuse de vie par contre elle part vite. On a tout ce bordel, on sait pas qui c'est qui a mis et qui a mis là-dedans. C'est un petit peu normal, c'est comme vrai, hein, c'est de guerre. J'ai pas vu qu'il est. Il était juste en face de moi lui. Comment on recharge? Il y a un kit là de. Ok. Alors ce qui est bizarre c'est que je vais recharger l'arme et ça a mis 10 ans à changer d'arme. Grenade, ok. Attendez, je prends mon temps là, c'est juste comme rien et tout. Ah. Rechargement c'est comment? Ah d'accord, c'est le sens inverse. Oh putain la vache, ça fait tellement bizarre parce qu'on joue, on est tellement habitué de jouer à un Call of ou un Battlefield que là. On n'a pas l'habitude de voir des rechargements comme ça. Faut mais nettoyer non. Ces bâtiments. Ouais, faut nettoyer, il faudrait déjà que j'arrive à jouer. On a pris la vie. Encore il y a une sorte de façon de reprendre la vie lui. Si je monte en haut, il y a des copies là ou non? Alors ça reste un bon jeu mais très dur par contre, putain je me rappelle pas que c'était aussi dur. Putain la a fait m'avoir lui. Bon boulot les gars. Bon, il y avait petit. Ouais doucement parce que là c'est super galère. Allez je vais regarder vite fait les options. La sensibilité, viseur, luminosité, on va mettre un peu plus parce qu'on n'y voit que dalle. J'espère que ça va m'aider. Ouais, là on y voit un peu mieux. Ah, c'était super sombre, je sais pas pourquoi. Si je me chargeais l'arme, ça serait bien. Par contre, ça répond pas super à la manette. Je sais pas, rappeler comment ça répondait mieux. Je sais pas si c'est le fait qu'on joue avec une manette, je joue une manette Xbox maintenant, Xbox One, enfin Xbox Series X. J'ai l'impression que ça répondait mieux avec la manette 360. Putain, ça devrait tuer, hein. Regarde, un chargeur entier pour tuer un mec. On va le placer sur le côté. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode cop. Attendez les gars, une grenade. Bougez pas surtout. Ah bon, c'est tout ce que j'ai, les grenades. Putain, l'autre il vise bien en haut. J'ai plus de vie presque. Hein, il me faut de la vie. Ah ouais, il faut juste mettre en face, ok. Donc, alors, système de visée, de changement d'arme. La Thompson elle bouge tellement que j'ai du mal à viser le mec. C'est bien fait par contre. Ça, c'est comme vrai. Hein. Quand il y a l'arme elle bouge vachement. Ouais, une balle. Ça fait quoi là? Ça mettait une grenade. Oh putain. Oh le bordel. Ça me jetait une grenade en attendant qu'on trouve. Trop beau. Ah j'ai une arme putain. Il y a des coups de poing. Ah il y a eu un succès. ouais, on prend celle-là. Ok, y'a un bug ou quoi là? Dis-moi. Y'a un bug là les gars, non. Là y'a un bug. Ah ouais y'a un bug là. Le tire pas dessus l'autre. Ouais, rechargement en dessous. Putain la vache. C'est pas évident la manette parce que là ils ont tout changé. Enfin ils ont tout changé, c'était comme ça. Là. Ça le pire. Faut qu'on fasse le ménage. Comment on fait pour sauter? On peut pas? On peut pas sauter on dirait. Faut que je trouve la sortie là. On va passer par là. Ouais, graphique.
effectivement, ouais, c'est vrai que ça a pris un sacré, sacré petit coup de vieux quand même. Il y a des jeux qui n'ont pas trop pris, mais alors celui-là il a bien pris. On a bien essayé quand même. Tenez. Hop. Hop. Il tire sur qui lui. Pourquoi je trouve pas de balles pour mon Thompson de... Courir, travers, ouais bien sûr. Juste devant les autres. Putain les niveaux de... C'était dur le niveau. Oh putain, j'ai presque crevé. Pourquoi y'a pas trop de vie là. J'ai fait l'autre avec sa mitraille de tourelle. Les années étaient pas éclairées, ils sont pétales. Quoi il est dur le niveau, putain. Je l'ai mis en mode facile encore. Alors est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce que ça fait si je monte sur le toit là? Ouais, complètement débile, on va monter sur le toit. Je vais me faire canarder. On l'a vu d'avoir un paquet de mecs. Charlie, vite, qu'est-ce qu'il fout? Oh là là, ça c'est pas bon. Côté ennemi là. Waouh, j'avais pas vu là. Comment balancer une grenade? Oh putain, c'est dur hein. Je me suis fait démonter là. Ah, arme principale, arme secondaire. Oh, les gars, le premier niveau il est assez balèze. Hein. Putain, on va attaquer ceux-là là, ils sont pas beaucoup là. Allez tranquille entre amis là. Putain. C'est mieux fait pardon. Ah, je me suis posé au pire endroit. Hein. Ah, je me suis reposé au loyer des ennemis. Hein. Je suis trop bon. Hein. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vie? Elle a marre bien. Allez, recharge mon petit. Je gagnerai une médaille. Bordel, t'as pas vu le monde. Attendez, le Didi. Ah, c'était là tout à l'heure qui m'a réussi à m'avoir. Merde, y'a pas de. La position est. Tenez les grenades. Cadeau, les gars. Hop, c'est pas le 14 juillet, se marier. Dans les grenades, il y en a pas qui est là. J'ai un petit feu d'artifice là. Ah, on a pu passer par un truc. Ah, j'ai un autre succès. Maître is grenade. Hit the grenade. C'est quoi ce truc? Je me rappelle pas qu'ils étaient aussi durs les jeux avant. On se plaint des fois, mais putain. Quoi les niveaux hein. Il est balèze. Ah, celui-là qui l'a fini en difficile, bravo, hein, je veux dire. Putain de merde. Il s'est même manqué à lui. Le système de visage, c'est pas super. La position. Allez, recharge le bordel.
Si venez m'aider les autres. Ah ça y est, j'ai un copain qui arrive. Je sais pas s'il est mort. Là il est mort. Allez cours au moins toi. Alors est-ce qu'il faut le détruire? Il faut le détruire comme un truc. Allez on met le C4. Ouais on va s'enfermer au moins. Pas de détonateur, rien, vas-y, ça peut être comme ça. Encore 3, il a dit. Allez, quoi, il vient de lui. Ah, il avait de la vie ici. Des armes. Non, je veux pas le truc allemand. Italien, viens. Hop. Et les copains, ils sont où? Ils sont barrés. Il y a des mules. Ah c'est ça les mines. Un truc allemand, t'es. On va essayer leur mitrailleuse, je sais pas comment elle s'appelle. On dirait qu'il a accroupi là. Ah ouais, il a accroupi, je sais pas pourquoi. J'ai dit de se mettre debout, il se met accroupi avec vous. Bon, faut aller où là? Alors l'ennemi il part là. Ouais, je suis là. J'arrive. Il est là, traverse. Par contre, pour rentrer là-dedans, aussi. Ouais, faut y aller petit à petit, hein, mais putain. Avec le flingue avant de niveau. Putain, crevé. Il me faut des balles. Des mules. Ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer des grenades. Tenez, cadeau. Tenez. Tout balancer. Putain, je suis presque mort. Il me faudrait de la ville. Y'a quoi dans ces trucs verts là-bas? Ah je sais pas pourquoi il est toujours accroupi. Il est facile de le lever. Ah. Il n'y a pas de... Y a pas de... Non, il n'y a rien. Y a pas de vie, y a rien. Ok, je vais encore crever. Ah, là-haut, il faudrait que j'arrive à poser. Ah, je pense qu'il faut passer par là, parce qu'au milieu de l'axe, c'est impossible. Ils sont trop là. Ah putain je suis mort. Bon bah les gars voilà. Je voulais montrer c'est déjà pas mal. Pour dire qu'il est dur hein. Putain je me rappelle pas qu'il est aussi dur. Ce jeu. J'imagine pas les autres, missions. Allez, il va falloir y aller mollo. Voilà c'était pour le montrer, pour dire que ce Metal of Honor Airborne il est pas mal quand même pour l'époque. Bon, c'est sûr qu'il a pris un petit coup de vieux mais après c'est un peu normal vu l'époque, c'était en 2007 qu'il était sorti ce jeu. Sur 360, il est sympa quand même. Sympa de revoir des jeux comme ça du coup. Hop, je me suis mis en plein milieu. Prenez un cadeau là. On va essayer d'y aller en force. Ça peut-être marcher. Ils viennent, hein. Ah ouais, ok. Tu vois, en plein milieu, c'est même pas la peine. Pas passer par là. Par contre on va pas passer tout ce qui fait net porte, ça c'est un peu, c'est un petit peu dommage ça. Privé de commencer à passer dans l'axe. Allez, je rentre comme ça, je me tape pierre avec le flingue. Oh, putain ils sont pas qu'il y a. Allez, on a réussi à passer. Hop, si on remettait la tombe sol, ça serait cool. Hein. Le problème c'est qu'ils ont fait une jouabilité un peu bizarre avec des boutons là. Hein, on va aller à la cave. Allez. On va aller voir un coup. Hop. Il y a un paquet de mecs là. Ce qui est bien c'est que le jeu est tout en français. Non, il m'a eu. Ah non, il m'a eu.
Allez, sur ce coup les gars, je vous dis à plus. Pensez à me laisser un petit like, ça serait sympa. À plus, ciao.